Bienvenue à votre émission sportive Sport 9 Laval, émission qui présente le sport amateur lavallois et qui discute des réalités de façon différente. Aujourd'hui, on rencontre M. Vincent Beauregard, jeune athlète et membre de l'équipe nationale junior au baseball, lanceur de plus, participant au programme de développement de l'Académie de baseball du Canada, qui se dirige dans quelques mois pour aller jouer sur un terrain américain, collégial. Et on discutera avec Vincent des réalités, justement, et des défis d'avoir des performances rapprochées et répétitives. On verra aussi comment gérer le succès ou l'insuccès, ou du moins donner le pouvoir à un arbitre pour gérer si on fait un bon match ou non. Et finalement, on discute des enjeux d'une saison morte longue. Je discuterai avec mes experts, Thierry, Maryse et Anne-Marie, sur les mêmes sujets pour avoir un peu leurs perspectives et leurs opinions. Et bien sûr, on vous garde à l'affût des nouvelles sportives régionales. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On se retrouve aujourd'hui au Centre Claude Robillard avec l'Académie de baseball du Canada et on rencontre Vincent Beauregard. Vincent, tu es à l'Académie depuis combien de temps? C'est ma deuxième année avec l'Académie. Je suis arrivé l'année passée. J'avais entendu parler du programme parce que j'étais au sport-études à Édouard-Montpetit avant Montréal, puis j'avais plusieurs amis qui allaient à l'Académie déjà. Donc, je suis venu ici, puis j'aime le programme, je suis satisfait. Okay. Puis, est-ce que c'est un programme qui est différent? Quelle est la principale différence? Comment la structure est différente au niveau de l'Académie? L'Académie, c'est du baseball qui est un petit peu plus spécifique à la position que tu veux jouer dans le futur. Donc moi, vu que je suis un lanceur, en arrivant à l'Académie, ça a vraiment été spécifique au lanceur. Je fais juste du lanceur, je touche plus au bâton. Tandis qu'au sport-études, j'ai touché au bâton encore. Puis maintenant, je touche plus. Donc c'est vraiment plus spécifique à la position que tu veux jouer. Donc on spécialise un peu l'entraînement à ce moment-là. Exactement. Aussi la musculation, évidemment, le plus spécifique à la position que vous désirez jouer. Puis au niveau du baseball, ça fait combien d'années que tu joues au baseball? Ça va être ma 15e saison cet été. Là. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc c'était ma 14e cet été. Je me dirige vers ma 15e. J'adore le sport. Okay. Et puis, est-ce que déjà, dès le départ, tu te voyais comme pour devenir un lanceur ou tu as joué à d'autres positions? J'ai joué à toutes les positions, j'ai tout essayé, mais c'est sûr que rendu à un certain niveau, je me suis dit que j'étais peut-être plus un lanceur. Évidemment, je suis gaucher en plus, donc j'avais plus de chance en tant que lanceur, c'est un avantage. Donc quand j'ai lancé au niveau moustique, je crois, j'ai vraiment aimé ça, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Okay. Et donc là, est-ce que tu es lanceur partant ou de relève? Je me considère comme un lanceur partant, mais des fois, je suis utilisé comme lanceur de relève, là, ça dépend. Mais moi, je considère comme que je suis un lanceur partant. Au niveau du programme de l'Académie, justement, j'imagine que ça avait complété le baseball civil. Vous êtes chacun dans vos organisations, puis c'est en off-season que vous êtes à l'Académie? Exactement. Durant l'été, on joue avec notre équipe. Moi, je joue pour les Oilers de Montréal, Junior Elite. Et durant l'hiver, on s'entraîne avec l'Académie. Donc, si on regarde au niveau de ta réalité par rapport à ta saison, tu vas faire combien de sorties en moyenne dans une saison? Je dirais 20 à 30 sorties. Peut-être que je me trompe, mais d'après moi, c'est 20 à 30 sorties. Oui, c'est ça. Puis au niveau de la rotation, vous êtes combien dans une équipe? Combien de lanceurs? Tu vas sortir à tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours? Comment ça fonctionne? Ça va dépendre. Mais comme cet été, ouais, je sortais environ 3-4 jours. C'est sûr que ça dépend aussi de la cédule qu'on a. Mais on était environ 10 lanceurs dans l'équipe cet été. Donc ouais, à chaque 3-4 jours, là, on avait une sortie, que ce soit en tant que lanceur partant ou en tant que lanceur de relève. Okay. Puis au niveau physique, est-ce que tu trouves que c'est taxant? Est-ce que c'est exigeant par rapport à c'est pas c'est quand même une position où ça demande physiquement beaucoup, et mentalement aussi, j'imagine. Ouais, ben c'est beaucoup plus difficile que qu'est-ce que le monde pense. Évidemment, le baseball, c'est un peu négligé au niveau physique. Mais l'entraînement autour du
du lanceur, c'est vraiment difficile. C'est beaucoup de cardio. On court beaucoup à chaque fois. Avant de lancer, après lancer, on court. L'entraînement en musculation est autant difficile que tous les autres sports qui sont pratiqués. Donc, niveau mentalement aussi, c'est vraiment difficile. Garder le focus à chaque lancer, être concentré, ne pas se laisser déranger par ce qui se passe autour, les adversaires qui vont nous dire des choses des fois un peu dérangeantes. Mais il faut rester dans notre bulle, puis c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais on est rendu habitué. Une saison régulière, il y a combien de matchs dans une saison régulière? Dans le Junior Elite à Montréal, on avait 50 matchs cet été. Ouais. Là, je pense que tu t'en vas aux États-Unis, si j'ai bien compris. Exactement. Janvier, je vais quitter pour Northeastern Oklahoma College, qui est en Oklahoma, évidemment. Donc, je m'en vais là pour la session de printemps. Par la suite, je retourne en octobre. Et bon, ça va durer 2 ans. C'est comme le cégep, dans le fond, c'est 2 ans, 4 sessions. Donc, c'est l'équivalent du cégep ici. Puis, est-ce que ton objectif par la suite au niveau, une fois avoir terminé ce stage de 2 ans-là, qu'est-ce qui peut s'ouvrir à toi? Écoutez, pendant ces 2 ans-là, je vais avoir accès à 2 repêchages de la MLB, dans le fond. Donc, si je me fais repêcher, évidemment, je vais quitter pour les professionnels. Si je ne me fais pas repêcher, je vais me diriger vers le chemin universitaire aux États-Unis. Donc, vraiment continuer à jumeler études et sport. Exactement. Je pense que c'est une belle opportunité pour moi de me scolariser avec le baseball. Donc, si j'ai la chance d'aller à l'université là-bas, je vais en profiter puis je vais le faire. As-tu une idée de vers quoi tu t'en irais au niveau professionnel autre que le baseball comme carrière? Je suis une personne qui n'est pas gênée et j'aime parler. Donc, probablement la télévision, quelque chose comme animateur, quelque chose comme ça. Là, probablement étudier en communication, ce serait bon pour moi. Oui, donc Anne-Marie, Vincent nous mentionne comment les performances peuvent être rapprochées, répétitives. On a des sorties pour un lanceur qui sont à tous les peut-être 3, 4, 5 jours. Dans une équipe, il peut avoir 5, 6, peut-être une dizaine dans sa réalité pour l'été dernier. Mais souvent, on va voir donc les lanceurs qui vont avoir des demandes plus exigeantes au niveau des performances, contrairement à un athlète qui peut peut-être se préparer pour... une compétition à tous les mois, à tous les 3 mois. Donc, j'imagine qu'au niveau nutritionnel, ça va avoir un impact majeur à ses demandes puis à son plan. Oui, mais la première chose qu'on va s'occuper avec l'athlète, c'est au niveau de la récupération. Parce qu'on l'a dit, c'est des sorties répétitives, assez régulières. Donc, souvent, il y a des bris musculaires régulièrement. Donc, on a besoin d'avoir une récupération optimale pour revenir en force, à maximiser la puissance, maximiser la force. Donc, on va beaucoup parler des protéines. Donc, les protéines, les glucides après l'entraînement. Donc, on dit toujours à nos athlètes, donc après, dès qu'ils terminent son match, donc ils doivent avoir une collation. Par exemple, ça pourrait être un yogourt grec, ça pourrait être un lait au chocolat qu'on perd, mais ça peut être d'autres choses, là, des noix avec une banane. Donc, vraiment optimiser la récupération. Et aussi, l'autre chose, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, le souper, par exemple, ou le dîner. Donc, avoir un dîner ou un souper qui est fortement riche en glucides pour s'assurer d'avoir assez d'énergie pour faire son match. Parce qu'en baseball, on parle de 1 heure, 2 heures, dépendant combien de manches qu'il va avoir. Donc, on va vraiment aller optimiser tout ça avec l'athlète. Donc, il y a vraiment une réalité importante à se préoccuper dès la fin de l'exercice, oui. Puis en préparation à la prochaine performance. Puis comme on mentionne aussi, c'est du fait que ce soit aussi rapproché, aussi, il doit avoir vraiment... Ça représente un défi pour l'athlète par rapport à... Donc aussi au niveau de bien se connaître, au niveau de ses besoins, j'imagine, c'est important aussi. Oui, puis l'athlète doit aussi savoir quoi qui fonctionne pour lui avant. Donc, les entraînements, c'est encore plus intéressant parce que l'athlète doit essayer, parce que c'est pas durant les matchs... Ou durant la saison, c'est ça. Donc, en pré-saison, on va essayer d'aller en saison morte, d'aller chercher les bonnes recettes ou les bons nutriments pour voir comment nous, ça fonctionne pour nous. Oui, puis aussi au niveau des restaurants, parce qu'on parle, le baseball, ils sont beaucoup sur la route. Donc, aussi, essayer des produits, donc savoir, OK, ce restaurant-là fonctionne. Donc, de vraiment identifier des éléments, des menus, des plats qui vont fonctionner, que je peux avoir aussi à portée de main si je suis à l'extérieur de la maison. Oui, c'est un travail de tous les jours, dans le fond, pour eux. Exactement. Au niveau de la préparation physique, au niveau, j'imagine ça aussi, ça a un impact de dire en hors-saison ou en pleine saison, comment est-ce que je fais pour rapidement récupérer? Est-ce qu'il y a un travail à faire durant la saison ou on va aller plus au niveau de la pré-saison? Bien, il y a un travail à faire à ces deux niveaux-là, c'est sûr. Ce qu'on va faire en saison, c'est qu'on va prioriser vraiment ce qu'on veut maintenir comme qualité physique particulièrement. Donc, on va prévoir des entraînements de récupération puis on va faire la préparation physique vraiment au minimum pour garder l'énergie au maximum pour les matchs. Exactement. Et on va souvent aller dans des exercices de renforcement spécifiques qui sont vraiment des
détail qu'on veut travailler pour l'athlète, souvent en collaboration avec la prévention des blessures en physiothérapie, par exemple. Moi, parce que ça aussi, j'imagine justement du fait qu'il y a une répétition, du fait qu'il y a une demande qui est plus concentrée au niveau physique, j'imagine qu'on est beaucoup plus en prévention de blessures. Oui, il y a quand même des risques de blessures. On parle plus de blessures de surutilisation, d'irritation de structure, de tendons, même de ligament des fois. C'est de corriger un peu le patron de mouvement. Malheureusement, on ne peut pas changer complètement le patron de mouvement en saison. On parle de maintien plus que de changement. On va faire ça plus en saison morte à ce moment-là. C'est aussi en saison morte qu'on va avoir une meilleure récupération, une récupération plus optimale des blessures. On va essayer de se concentrer pas mal plus là-dessus en saison morte. Mais il faut essayer de maintenir les acquis et de ne pas aggraver certaines blessures aussi. Donc, vraiment une réalité au niveau de tous les plans, d'avoir une bonne préparation de la saison morte pour qu'au niveau d'une saison intensive, tant au niveau de l'énergie que de la dépense, que du risque de blessure par les mouvements répétitifs, d'avoir à ce qu'on ait simplement un maintien ou plutôt une constance à aller chercher. Les gains, ce que je comprends, c'est que les gains se font en pré-saison ou en off-season. Pour que juste on maintienne au niveau de la saison l'effort, prévention des blessures, plan nutritionnel à ce moment-là. David Desharnais et Max Pacioretty ont pris part au lancement des figurines de la Ligue nationale de hockey le 9 novembre au restaurant Steak Shop de Laval. La LNH a décidé de faire confiance au président de l'entreprise de Boisbriand Import Dragon, Stéphane Tétrault, pour fabriquer des figurines à l'effigie des vedettes du circuit Batman. Coup de théâtre dans le monde de la Ligue nord-américaine de hockey. L'entraîneur des Prédateurs de Laval, Serge Forcier, a remis sa démission le 6 novembre en matinée. Le principal intéressé n'a pas voulu commenter pour l'instant, tout comme la direction de la formation lavalloise. Le Courrier Laval a tout de même appris que Serge Forcier n'avait pas les mains libres pour diriger sa propre équipe. À la suite du départ surprise de l'entraîneur des Prédateurs de Laval, la formation était méconnaissable sur la glace en fin de semaine. Ils ont essuyé deux défaites de suite, les Prédateurs. Les joueurs lavallois ont subi un cuisant revers de 11 à 4 contre l'assurancière de Thetford Mine au centre Mario Gosselin le 6 novembre. Deux jours plus tard, les Prédateurs ont encaissé une défaite de 4 à 1 face au Marquis de Jonquière. Vincent, on regarde, pour un lanceur, j'imagine, il y a un grand défi quand on regarde la performance ou la réussite d'une performance, que ce soit une victoire ou un sauvetage pour un lanceur de relève. Mais j'ai toujours la perception que beaucoup revient à quelqu'un extérieur à lui. C'est le jugement de l'arbitre. Donc, comment est-ce qu'on fait comme joueur, comme athlète, pour dealer ou accepter ces éléments-là? Évidemment, c'est une partie de la game qui est assez difficile à gérer. Des fois, on va être pas d'accord avec le jugement de l'arbitre, mais c'est quelque chose qu'on doit oublier parce que tout ce qu'on contrôle, nous, c'est où est-ce qu'on lance la balle. Donc, si l'arbitre, lui, n'est pas d'accord avec l'endroit où est-ce qu'on l'a lancé, écoutez, on doit passer au prochain lancer et juste être positif pour qu'est-ce qui s'en vient plus tard. Donc, au niveau de ta routine, est-ce que tu as une routine entre tes lancers? Est-ce que tu as une façon de te préparer? J'imagine pour un match, oui, mais si on regarde vraiment dans l'action, au niveau d'un lanceur après lanceur, ou tu as justement un call que tu n'apprécies pas, as-tu une façon de mettre ça de côté assez rapidement? Écoutez, moi, quand je suis sur le monticule, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, s'il y a un call de l'arbitre que j'aime pas, je me dis, écoute, j'ai fait un bon lancer, je suis fier de moi, je passe au prochain. Et j'espère que le prochain va le satisfaire parce que si on se met à s'attarder là-dessus, ça peut nous déconcentrer puis ça peut avoir une grosse influence sur notre match. As-tu déjà justement peut-être un souvenir ou un match? As-tu un match que tu te souviens? Est-ce que ça l'a vraiment bien été? Tout roulait, tout était on target? Oui, il y a quelques matchs évidemment que je me rappelle. C'est sûr qu'il y a des fois où ça va super bien. On attaque le frappeur avec toujours une première prise. L'arbitre est d'un côté parce que c'est comme ça que ça fonctionne en tant que lanceur. Quand l'arbitre voit qu'on est dans la zone, on n'est pas trop sur les côtés, là, il va nous en donner un petit peu plus que d'habitude. Donc, à chaque fois qu'on est dans la zone, là, il peut nous en donner quelques fois là, un petit cadeau ici et là, puis ça fait plaisir. Donc, au niveau de justement de ta routine, peut-être en préparation à un match, comment, si on joue un match, je me souviens du temps des expos, il y avait des joueurs, des matchs d'après-midi à 13h05, si je me souviens bien, 13h15. Tu commences ta routine de préparation à partir de quelle heure, puis comment ça fonctionne? Moi, bon, disons qu'on joue à 1h, j'embarque sur le terrain à environ midi 25, midi 30.
Tout dépendant si on est receveur ou visiteur. Quand on est receveur, c'est 30 minutes à l'avance. Visiteur, 35 minutes à l'avance. Je commence avec un petit jogging. Après ça, je vais avec des étirements dynamiques. Donc, je fais bouger mes jambes, je fais bouger mes bras pour être sûr d'être prêt. Par la suite, je vais avec mon play catch qu'on appelle. Donc, je me lance avec mon receveur partant. Par la suite, j'embarque dans le bullpen qu'on appelle, donc le monticule d'exercice. Je fais une vingtaine de lancers. Par la suite, je suis prêt à aller sur un monticule et je commence le match. Donc, à ce moment-là, une routine qui dure à peu près 30-35 minutes. Ouais. Puis, est-ce que durant tes journées de repos, tu as aussi, je dirais, une routine ou du moins des exercices, j'imagine, parce que tu ne peux pas nécessairement... Turner on juste à 30 minutes avant un match, tu dois avoir des choses à faire même en journée de repos. Oui, c'est sûr que le lendemain, donc si je lance le lundi, le mardi, je vais dehors, je vais courir un bon 20-25 minutes. Je danse un petit peu juste pour déraquer mon bras parce que naturellement, le lendemain, on est un petit peu raqué. Le jour d'après, je fais un autre, quelques autres lancers encore, tu sais, toujours pour rester actif. Deux jours avant ma prochaine sortie, je vais sur le monticule d'exercice. Je fais une simulation de match, donc je vais avec 30-35 lancers juste pour me remettre dedans. Et évidemment, le jour avant, la plupart du temps, je ne lance pas pour être prêt pour le jour suivant, qui est le jour de la sortie. Donc, ce que j'aimerais regarder maintenant, c'est comme Vincent le mentionnait, c'est en quelque sorte comment on peut focusser sur les éléments qu'on contrôle. Tu sais, la réalité du lanceur, c'est que souvent, je peux avoir l'impression de faire une bonne job, je peux avoir l'impression d'avoir le contrôle de mes lancers, mais si le jugement de l'arbitre n'est pas de mon côté, ou l'arbitre ne voit pas les choses de la même façon que moi, je peux avoir une difficulté à rester focusé, à rester concentré dans mon match. Donc, au niveau des enjeux, j'imagine que ça peut être aussi des enjeux qu'on peut avoir dans une réhabilitation, de dire, OK, bien, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je peux nécessairement, sur quoi est-ce que je dois focusser pour que j'aie une meilleure réhabilitation, une meilleure reprise de mes énergies. C'est sûr qu'on peut voir un peu le lien aussi avec la réadaptation. Des fois, on a des protocoles un peu précis à suivre. On a des exercices qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. Souvent, c'est difficile un peu d'accepter ça, de dire je prends deux semaines à pas faire tel exercice. Faut passer au travers, faut focusser justement sur ce qu'on peut faire à ce moment-là. Même principe pendant un match, que l'arbitre décide que la balle est bonne ou pas, qu'il y a circuit ou pas, ou qu'il soit retiré ou pas à ce moment-là, c'est de se dire qu'on n'a pas d'impact sur la décision de l'arbitre, mais qu'on a un impact sur le prochain lancer, le prochain coup, puis c'est se concentrer sur ce qui s'en vient, non sur ce qui a déjà été fait à ce moment-là. J'imagine au niveau de la préparation physique aussi, c'est des éléments que tu peux nécessairement intégrer dans un développement par rapport à quelqu'un qui n'obtient pas les résultats, mais quelque chose qui fait la job qu'il y a à faire. Bien oui, en fait, les trucs qu'on va donner, c'est de revenir vraiment aux sensations qu'on a dans notre corps, dans nos muscles. Donc, on va pratiquer ça aussi à l'entraînement pour sentir les muscles travailler. Donc, quand on s'éloigne vraiment puis qu'on se met un peu à se fâcher ou à être en panique dans une situation qu'on n'a pas contrôlée puis qu'on n'est pas d'accord, bien là, on revient à « OK, c'est bon pour mon lancer, je dois faire telle action, je dois sentir ça. » Puis là, on se ramène vraiment à soi sur ce qu'on contrôle. Souvent, ça va permettre de reprendre notre focus. Là. J'imagine qu'au niveau de la nutrition, c'est peut-être quelque chose qui peut être aussi rencontré dans un... Quand justement on parlait de la saison morte où on veut gagner en masse, puis finalement on fait ce qu'on pensait qu'on devait faire, puis on n'obtient pas les résultats. Est-ce que c'est des choses que tu vas rencontrer avec les athlètes? Oui, ça, c'est des choses qu'on peut arriver, que les athlètes vont paniquer un petit peu parce que, tu sais, au niveau de la force, c'est pas au maximum qu'ils pouvaient avoir. Donc là, encore une fois, on va les focaliser sur OK, c'est quoi qu'on va faire pour récupérer le maximum, puis là, donner son maximum au niveau de l'énergie aussi. Donc, c'est une chose qu'on va travailler. Aussi, des petites routines, on parlait tantôt, les routines avant et après. Donc, toujours avoir la même pour focusser pour pas qu'ils disent ah non, j'ai pas mon aliment ou j'ai pas pris mon hydratation comme il faut. Donc, ça aussi, on va appliquer ça en pratique pour que, à la compétition, bien, c'est une chose de moins qu'il a à penser. Donc, il sait déjà quoi faire, puis c'est comme un automatisme là, pour lui. Donc, encore là, vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est à l'extérieur de mon contrôle, puis si jamais je suis en situation de panique, de revenir sur ces éléments-là que je contrôle réellement. Parfait. Alors, Vincent, on est dans un sport estival. Au Québec, on joue au hockey peut-être deux mois et demi par année. Comment est-ce qu'on garde ensuite le focus, la motivation pour s'entraîner tout ce temps off-là? Mm-hmm. Bon, ça peut être des réalités différentes en Oklahoma pour dans tes prochaines deux années, mais pour les réalités que tu vis au Québec, comment est-ce qu'on garde la motivation puis le focus?
Alors ça vient de chaque personne, c'est différent, là, mais je pense qu'il faut se fixer des objectifs pour la prochaine saison, pour le futur. Donc, puisque moi, je m'en vais, c'est sûr que c'est plus facile. Si j'ai un objectif, il faut que je sois bon là-bas. Donc, je m'entraîne très fort, je suis motivé, je veux être bon là-bas. Pour d'autres personnes qui ont à quitter dans les prochaines années, ça vient juste de soi-même. Si ça tente vraiment de continuer dans ce sport-là, si tu veux vraiment faire quelque chose avec ce sport-là à niveau professionnel ou collégial, tu dois te motiver toi-même et rester focus. C'est sûr que c'est plus difficile vu qu'on est à l'intérieur, mais... Écoutez, ça fait partie de la game. Donc, il y a une responsabilisation par rapport à ta progression, par rapport à ton développement, qui est important pour chaque athlète à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Il faut être discipliné. Puis, si on n'est pas prêt à faire des choix importants pour notre carrière, écoutez, changer de domaine, puis ça va finir là. Et justement, ces choix-là, je pense que l'opportunité que tu as eue, ça vient du fait de ce qu'on appelle des showcases que l'ABC peut organiser. Tu me parlais un peu de cette expérience-là par rapport à ce que tu as vécu? Oui, bien, c'est ça. Quand on est parti dans notre voyage de 10 jours, on a joué contre plusieurs collèges. Donc, les coachs sont là, évidemment, nous regardent parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont éligibles à aller au collège américain. Donc, c'est sûr que ça nous permet de se faire voir. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Là. Évidemment, je m'en vais là grâce à l'ABC parce que c'est là que j'ai été vu. J'ai joué contre eux et j'ai bien lancé. Donc, je m'en vais là en janvier, exactement. Donc, encore là, important de saisir les opportunités, important de prendre l'occasion qui s'offre à nous puis de, en quelque sorte, profiter peut-être de la saison morte pour travailler certains objectifs puis se préparer à faire un impact au moment opportun. Exactement. Ça dépend de chaque personne. T'sais, moi, vu que je m'en vais en janvier, j'arrive là-bas puis la saison commence en février. Donc, j'ai pas le temps de niaiser. Faut que je sois là, faut que je sois prêt. Donc, moi, ma préparation vis-à-vis une autre personne qui va quitter dans peut-être d'autres deux, trois années plus tard, ça va être différent. Mais moi, il faut que je sois bon en arrivant là-bas. Pour les autres, c'est peut-être plus progression à long terme. T'sais. Donc, la planification, simplement aussi, si tu avais à recommencer à jouer l'été prochain, ce que je comprends dans ton commentaire, c'est que la progression serait complètement beaucoup plus lente à comparaison à celle que tu es en train de te préparer maintenant. Bien, c'est sûr, parce que d'habitude, la saison au Québec commence au mois de mai, donc, tu sais, février, mars, avril, mai. C'est quand même 3 mois de plus pour se préparer, pour s'entraîner, pour travailler des choses techniques, parce que rendu dans la saison, c'est plus le temps de travailler des choses techniques. Il faut que tu sois prêt au match et tu lances ta game et tu sois au meilleur de toi-même. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement, dans ta première carrière, dans ta première saison au niveau de ta carrière américaine? Écoutez, moi, je souhaite que je sois bon. Écoutez, si je suis vraiment bon, j'ai peut-être une chance de me faire repêcher au repêchage de la MLB au mois de juin. Donc, j'espère que ça va m'arriver. Je vais tout donner ce que j'ai. Puis, si ça m'arrive, bien, je vais être vraiment content. Je vais être fier de moi. Bien, je te le souhaite. Puis, je te remercie pour ton temps. Je te laisse te retourner t'entraîner. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, la réalité au niveau du baseball, c'est quand même si on a une intensité au niveau de la saison pour un lanceur, c'est quand même une courte saison. On parle d'un sport estival ici au Québec, peut-être un deux mois et demi. Donc, on a discuté justement des éléments importants à travailler en off-season ou en pré-saison. Puis Vincent, justement, disait, bien, des fois, ça peut être, dans son cas, c'est plus simple parce qu'il s'en va au Collège américain en février. Mais comment est-ce qu'on travaille la préparation d'une saison quand on dit, bien, je joue pendant deux mois et demi, puis pendant 10 mois, je suis à l'extérieur de ce que j'aime vraiment faire, de me retrouver sur le terrain. Donc, je pense que ça doit être important de justement aller chercher des gains au niveau de la préparation physique. Comment est-ce qu'on approche ces éléments-là au niveau de ton expertise, Maryse? Bien, c'est certain qu'il faut prendre tout le temps qu'on a pour travailler ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant les 2 mois intensifs. Donc, refaire les niveaux d'énergie, donc une bonne récupération est importante. Et aussi, pour maintenir la motivation, oui, on va cibler les éléments qu'on veut travailler, par exemple, changer un patron moteur ou gagner de la masse musculaire, par exemple, pour se faire un petit peu de réserve. Mais on va vouloir rendre ça intéressant, peut-être en pratiquant d'autres sports un peu de façon ludique, peut-être, exemple, changer pour jouer un peu avec les coéquipiers au soccer, des choses comme ça, parce qu'en 10 mois, là, on a quand même du temps à combler, puis il faut rendre ça motivant. C'est sûr qu'on va utiliser différentes approches. On va travailler en salle de musculation, on va peut-être, si c'est possible, travailler un petit peu à l'extérieur aussi pour changer le mal de place ou en gymnase. Donc, on va aller travailler. Donc, essayer d'aller chercher quelque chose peut-être
d'être peut-être moins spécifique, puis d'aller quand même chercher un gain au niveau physique, au niveau musculaire, au niveau de, en quelque sorte, de ce qu'on veut travailler pour la prochaine saison. Exactement. Il y a vraiment une préparation à avoir importante. J'imagine, au niveau des blessures, c'est un peu la même chose. Si on n'est pas blessé, quoique j'imagine qu'en fin de saison, on a toujours, sans avoir de blessure, on a toujours une récupération ou certains mouvements ou choses à travailler. Effectivement, dans ce sens-là. Quand on est en lanceur à la base, mouvement répétitif à tous les matchs, tous les entraînements, il n'y a pas 20 000 lancers différents. Il y en a quelques-uns, puis c'est tout le temps les mêmes qu'on répète, surtout quand on en a des plus faciles à faire. Dans certains qu'on est meilleurs, on les réutilise plus possède, souvent. On possède certains lancers. Exactement. Donc on maîtrise, hein? C'est presque sûr qu'il y a des petites blessures qui se créent à ce moment-là. Malheureusement, dans une saison de 2 mois et demi à peu près, là, on essaie de limiter les dégâts. Souvent, on va quand même jouer dans une certaine douleur parce qu'on ne veut pas arrêter pendant 3 semaines pour une blessure qui peut être tolérée, si on veut. À ce moment-là, du moment qu'on arrive dans la saison morte, c'est récupération optimale. On cible surtout la récupération à 100% pour être prêt à reprendre l'entraînement le plus rapidement possible, en prévision d'être le plus fort, le plus prêt pour le début de la saison. Tu parlais tantôt au niveau de la réalité nutritionnelle, c'est de découvrir ce qui fonctionne, ce qui marche, finalement, maximiser ce temps-là pour prendre ça. L'autre chose aussi, c'est de voir c'est quoi que l'athlète veut travailler, parce que, comme on a parlé, si le coach ou l'entraîneur physique décide de l'augmentation de la masse musculaire, bien, il faut que l'alimentation va avec ça aussi, puis aussi la prise de poids, parce qu'on ne le dit pas, mais en saison off, la plupart des personnes, comme les 2 semaines de repos, OK, je lâche tout, comme j'ai déjà dit à une autre émission, et là, je prends peut-être 10-15 livres. Ouh, là, on a un petit problème, puis c'est pas 10-15 livres de masse musculaire, c'est de masse grasse. Donc, aussi, avec l'athlète, il faut le motiver à ce niveau-là, de dire, non, c'est dans 10 mois que tu recommences, mais il faut pas que tu fasses juste des excès, de dire, OK, je m'en vais dans le chocolat, puis dans les bonnes tartes aux pommes. C'est ça. C'est ça. Donc, ça aussi, il faut le motiver à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on va travailler en collaboration avec l'entraîneur pour savoir c'est quoi qu'on va aller travailler. Donc, est-ce que c'est l'augmentation de masse musculaire? Si c'est ça, bien, son plan alimentaire va changer en fonction de ça. Donc, il y a vraiment des éléments importants à aller travailler en saison morte. C'est pas, c'est pas une saison morte. Non. C'est une saison... Saison ailleurs. On travaille d'autres éléments. Parfait. Zachary Asselin n'a que 15 ans, mais il se fait déjà remarquer par son talent au baseball. Le voltigeur a participé à la 17e édition du World Championship Perfect Game à la fin octobre à Jupiter, en Floride. L'adolescent était le seul Québécois à endosser l'uniforme de la formation de Howell au New Jersey. Pour l'occasion, près d'une centaine d'équipes s'affrontaient sur les terrains de la compétition. Richard Saint-Amour, président de Baseball Laval, a reçu des mains du député provincial de Chomedey, Guy Ouellette, la médaille de l'Assemblée nationale au gala Méritas de l'organisme sportif, présenté le 17 octobre dernier. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce fut une surprise totale. Je ne fais pas du bénévolat dans le but d'être sous les projecteurs. J'ai toujours voulu donner du temps aux jeunes, a lancé fièrement Richard Saint-Amour au Courrier Laval. Alors voilà pour les nouvelles du sport. Alors, je tiens à remercier Vincent pour sa participation à l'émission. Je tiens aussi à remercier mes experts, Thierry, Maryse, Anne-Marie. Toujours intéressant d'avoir justement un peu la réalité propre à chacune de nos expertises avec les liens ou les réalités que nos athlètes nous discutent ou nous présentent. Je vous voulais revoir une partie de l'entrevue ou encore une partie de l'émission. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de la télévision de Laval. Ainsi, vous pourrez avoir toutes les émissions, avoir accès à nos archives au bon moment, comme vous le souhaitez. Ou encore mieux, vous voulez interagir avec les experts, je vous invite à suivre notre fil Twitter @sport9laval. Et avec le mot-clé « question pour un expert », vous pouvez directement poser vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à un autre rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.